Bon, je vais répondre d'abord aux premières questions qui ont été posées. Alors, voyons voir. Je vais essayer de parler quand même le plus fort possible parce que j'ai bien l'impression que les réglages sont pas super bons au niveau micro. Bon ben voilà, on va commencer avec la première question. Makia, tu es fort. Fort. Non, pas très fort, mais voilà, je me débrouille. On va dire ça comme ça. Alors, voyons voir les prochaines questions. Ça, c'est The Psychose qui a posé les questions et il en a mis 10. Alors, hello, oui. Oula. Oh putain, qu'est-ce qui vient de foirer? Hello, oui, je te suivrai partout, mais pas sur Facebook. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? D'autres youtubeurs en fait, en les regardant sur YouTube. Donc ça m'a vraiment donné envie de le faire. Je sais pas pourquoi. Franchement, je saurais pas expliquer. J'ai eu l'envie d'un seul coup comme ça. Que recherches-tu sur YouTube en faisant des vidéos? Gloire, les vues, etc. Personnellement, j'aimerais bien quand même de la gloire. Ouais, entre guillemets, si je peux me permettre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Franchement, c'est vraiment ça que je recherche, c'est être connu. Cyprien, Squeezie et tout ça, franchement, ça me fait plaisir de voir ça et j'aimerais bien être comme eux, en fait. C'est ça que je recherche, quoi. Alors, question suivante. Quels est ou sont tes objectifs sur YouTube? Pareil, hein, monter. Monter, avoir plus d'abonnés, une grosse chaîne, avoir des sponsors, enfin, il y a beaucoup de choses à vivre sur YouTube déjà à l'heure actuelle avec 1000 abonnés. Franchement, c'est déjà magnifique. Merci à tout le monde d'ailleurs. J'ai rien d'autre à dire. C'est convivial à un point, vous pouvez même pas imaginer. Tout le monde veut m'aider, il y a tout le monde qui me parle, etc. Enfin, voilà, il faut aimer. Maintenant, moi j'aime bien être. Que tout le monde me parle, avoir de nouvelles connaissances, etc. Donc voilà. La question suivante. Quel est l'avenir de ta chaîne? L'avenir de ma chaîne, j'espère qu'elle aura un avenir le plus lointain possible déjà. Et qu'est-ce que j'aimerais bien déjà faire sur ma chaîne, c'est surtout avoir un peu plus de sous pour me payer de nouveaux jeux et savoir vous montrer. Des jeux que à la limite vous n'avez pas encore chez vous et que je pourrais vous donner envie à acheter par exemple ce soit même des jeux PC ou des trucs du genre voilà ça ce serait peut-être l'avenir de ma chaîne c'est surtout les jeux payants parce que là c'est beaucoup les jeux gratuits etc j'aimerais bien un peu évoluer dans les jeux payants et un jeu payant généralement est un peu mieux fait qu'un jeu gratuit hein, tout dépend mais bon voilà. As-tu de grands projets à l'avenir? De grands projets, pas encore. Pour le moment, je vis un peu au jour le jour. Donc, je saurais pas franchement prévoir l'avenir. Alors, question suivante. À part YouTube, as-tu d'autres passions? Si oui, lesquelles? J'aime bien les armes à feu, j'aime bien les scooters, le tuning. Mais le tuning scooter, hein, pas le tuning voiture, à la limite, je m'en fous encore. C'est vraiment le tuning scooter qui me plaît bien. D'avoir une machine qui fait, à la limite, acheter au magasin qui fait 50 km/h et qu'on peut en arriver à 120, 130, 140 km/h en mettant des pièces de compétition dessus. Ça, c'est vraiment mon kiff. Vraiment, tout ce qui est moteur, etc., la puissance d'un moteur.
Ça, j'aime vraiment bien. Franchement, voilà. Ça, c'est mon kiff. Alors, question suivante. Que représentent pour toi tes abonnés? Ben, qu'est-ce que vous représentez pour moi? Ben, c'est à la limite mes amis. Parce que dans ma vie actuelle, ça marche pas très bien niveau amis, à la limite. Et la vie URL est un peu mieux pour moi, pour le moment. Je vais dire ça comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un autre monde en fait. Et ce monde-ci, le monde URL me plaît plus, quoi. Et le monde URL, c'est vous, mes abonnés, quoi. C'est ça, en fait. Bon, bah, question suivante. Feras-tu des vidéos délire durant des soirées abonnées? Bah, des vidéos délire, ouais. Déjà, durant toutes les vidéos rassemblement ou même les tests d'activité, etc., on déconne. Bah, ça peut être une vidéo délire avec des abonnés où je pourrais faire un petit mix avec, avec un montage vidéo, etc. Voilà, je sais pas encore exactement ce que je peux faire. Maintenant, je pense peut-être organiser vraiment une soirée que pour ça en fait, délire avec les abonnés, où je sélectionnerais par exemple que des activités où il y aurait vraiment que des trucs what the fuck, où on pourrait vraiment aller se marrer comme des cons, voilà, ou alors vraiment prévoir des trucs en mode libre à faire, comme une chasse à l'homme que j'avais prévu aujourd'hui au rassemblement, mais j'ai vraiment pas eu le temps de la faire parce qu'on a fait une liste de 13 activités et il y en a tellement, enfin, on a tellement pris de temps pour certaines activités qu'on a même pas su tout faire, donc. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Toujours pour le même, The Psychose. Quel est ton matériel pour réaliser tes vidéos? Filmer, montage, etc. Ben, j'ai un Avermedia Game Capture HD que j'ai acheté 100 € chez LDLC. J'ai deux ordinateurs, donc j'ai un ordinateur pour jouer et un ordinateur pour le montage. Mais de toute façon, les deux ordinateurs sont de puissance équivalente. Donc voilà, c'est juste pour pas trop alourdir un PC et par l'autre, c'est voilà. Sinon, j'utilise Pro Vega 12 pour le montage de mes vidéos. Et je crois que c'est tout en fait. Hein. Ouais, bah ouais, c'est tout. Hein. Par pour le micro, j'ai un micro pour mon PC Trust. J'ai pas encore su m'acheter un micro Yeti, mais bon, ça va venir, hein, mais je pense que mon micro à l'heure actuelle n'a pas une qualité de son trop médiocre. Donc, on va passer à Killer Swag. Alors, salut chef du geek, je sais pas le chef du geek, mais bon, voilà, chef de geek, si tu veux, à la limite. Tu pourrais faire des vidéos sur les jeux d'horreur. Ben, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur les jeux d'horreur en tout début de chaîne, vraiment quand j'ai commencé, mais j'ai eu tellement de foirage, etc. avec les programmes, j'utilise Mirilles Action et je le connaissais pas très bien à l'époque, enfin à l'époque il y a 6-7 mois d'ici, donc j'avais pas le son du micro, ce qui m'emmerdait un petit peu puisqu'il y avait que le son du jeu, et quand on avait peur ou quoi que ce soit, puisque c'est avec Nico que j'avais fait ces vidéos-là, ben, on nous entendait pas quoi, c'était pas vraiment très attrayant, donc j'ai supprimé les vidéos, enfin je les ai bloquées, elles sont toujours sur ma chaîne, mais je vais pas les débloquer pour vous montrer des vidéos que vous n'auriez pas très envie de voir quoi. Mais de toute façon, j'ai quand même ici Outlast Whistleblower. Ça fait vraiment un bon moment que je dis je vais faire des vidéos dessus, je vais faire des vidéos dessus, mais j'en fais pas. Et Among the Sleep, j'ai même Eerie et Shooter Rec. Donc j'ai 4 jeux d'horreur et j'arrive même pas à faire un gameplay dessus quoi. Parce que j'ai pas le temps. C'est GTA, franchement, ça prend tout le temps. C'est abusé. J'ai jamais vu ça. Rien que pour faire, allez, je vais dire 4-5 glitches par mois. Plus ou moins, il me faut au moins une semaine et demie, quoi. Le temps de les trouver, les traduire, parce que la plupart du temps, je les trouve en anglais. Parce que j'aime pas quand même faire du plagiat sur les autres youtubeurs, ça sert à rien. C'est quand même un peu plus. Comment expliquer un peu mieux hein, pour soi-même, pour ça, de faire ces vidéos soi-même, quoi. Ouais, je démarre le jeu, moi, comme un con. Alors,
Donc une question de loup blanc. Comptes-tu faire des vidéos avec tes abonnés, des lires, etc. Bon, ça, je l'ai répondu plus bas. Oui, ça, c'est déjà à l'heure actuelle. Je crois même que avec toi, j'en fais. Je déconne et ça, déjà pas mal. Donc voilà. Et comptes-tu faire des rencontres abonnés plus tard? Ça pourrait se faire. Maintenant, mon crew est à 80 membres. On pourrait peut-être penser déjà à faire des rencontres crew contre crew. Ça pourrait être peut-être intéressant. Alors, question suivante. Comment tu te dis, je vais faire des vidéos sur YouTube et j'aimerais plaître fan? Comment je me le suis dit, c'est comme j'ai dit plus bas, c'est vraiment les autres YouTubeurs en regardant des vidéos sur YouTube, etc. J'ai eu envie de me mettre à leur place et voilà, j'y suis. Question suivante de GG2201. Tu habites dans quelle région? J'habite Trop, en Belgique, entre Liège et Verviers. Vraiment pile poil entre les deux. Donc, code postal 4870 si vous voulez voir sur Google ou quoi. Alors, question suivante de Seb10. Où est Nico? Ben Nico, il est chez lui, hein, il se gratte les koyang. Je dis, c'est comme ça. Alors, normalement, je pense même qu'il regarde le live, donc il va même rigoler en voyant ça. Je croyais même qu'il allait me répondre à mes messages et tout ça, mais en ce moment, j'ai plus trop de nouvelles de lui, il passe plus trop chez moi. Et j'espère quand même qu'il va repasser pour faire des vidéos avec moi parce que les vidéos délire avec lui ça me plaisait bien et ça me plaît toujours bien à l'heure actuelle d'en faire avec lui. Et je vais bien voir comment ça va se passer, hein. À lui de voir. Question suivante. À Carré Rose, j'ai adoré la vidéo sur Zombie Grinder avec Nico et Obitobi. À quand les prochaines vidéos du trio Dingo? Donc la preuve que. Il y a quand même certaines personnes qui nous adorent tous les trois, réunis, ou même tous les deux réunis. Donc, Nico, il est quand même temps qu'on refasse des vidéos ensemble. Maintenant, à quand on va refaire une vidéo? Bonne question. À la limite, vous avez qu'à tout le monde ajouter Nico au journal du geek. Parce qu'il est sur Facebook, il y a monsieur, mais il ajoute personne, il fait son petit timide. Mais tout le monde, ajoutez-le, un ami, Nico au journal du geek. Et il est administrateur du groupe Facebook. Et là, vous pourrez lui parler, vous lui poser des questions, etc. Et je suis sûr, il répondra gentiment à vos questions. Hein, Nico? Donc, question suivante de Anthony. Alors, salut, tu as quelle console? Alors, quelle console? J'ai la Xbox 360, j'ai la PS3, la PS2 et deux PC. Donc, pour moi, les PC, c'est un peu comme des consoles, donc voilà. Question suivante, une question de Boys in the Toilet. Ok. Tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié, ça ne risque pas, parce que je ne veux pas être marié ni d'avoir d'enfants. J'aime ma vie comme elle est là à l'heure actuelle et je veux encore en profiter, même si je peux être marié plus tard ou avoir des enfants plus tard. Donc ici on arrive à la dixième question et je vais un peu jouer sur Mortal Kombat. Comme ça fait un peu... Oui, je fume la cigarette, désolé. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Si je pouvais arrêter, j'arrêterais du jour au lendemain. J'espère que vous allez quand même m'entendre. J'espère que ça déconne pas en tout cas. Oh god! Whoa! Whoa! Whoa!
Deux maisons.
Scorpion. Choose your destiny. Bon, je réponds aux 5 commentaires suivants, puis j'irai sur Tekken 3. Donc, voyons voir. J'étais au 10e commentaire. Ah ouais, non, j'étais à... Voilà, tu es marié.
Donc, commençons avec Boys in the... Ah non, ça c'était Boys in the Toilet. Non, ça c'est vrai. Et j'avais même pas fini ces questions, tiens, justement. Donc, je pense... Ah, et encore. Parce qu'il avait pas posé un, non. Ah si, il avait posé deux questions. Donc, je continue avec Boys in the Toilet. Donc, il avait posé deux questions, enfin, deux commentaires qu'il avait laissés. Donc, quelle est ta classe préférée sur Call of Duty? Ben, ma classe préférée, j'ai pas vraiment de classe préférée. J'utilise le Reaper sur Ghost et l'AK-47 sur BO2. J'utilise aussi l'AK-47 sur MW3. Maintenant, BO1, je ne joue pas vraiment. Et MW2 non plus. Désolé. Maintenant, la classe que j'utilise, c'est souvent spécialiste. Donc souvent avec beaucoup d'atouts, etc. pour améliorer les performances physiques. D'où viens-tu? Ben ça, j'y ai répondu, c'est de Trau, entre Verviers et Liège. Comment as-tu rencontré Obitobi et Nico? Ben c'est simple en fait, c'est des potes d'école. Voilà, on s'est rencontrés à l'école, on est tous menuisiers. Enfin, on est tous des menuisiers, quoi, et on a fait toutes nos études ensemble, on a vraiment bien déconné, etc. Alors, question suivante, ben, as-tu des pieds? Ben oui, j'ai des pieds, voilà. Hop, j'ai des pieds. Ça, c'était la question, quoi. Comment s'appelle Madame Maca? Ben, Madame Maca, elle s'appelle Marie. Et comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? C'était ma voisine. Donc depuis toujours ça a été ma voisine et puis on a grandi et voilà on s'est mis ensemble hein. C'est aussi simple que ça en fait. Et depuis combien de temps? Ben ça fait 6 ans, presque 6 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc encore une question de loup blanc. Comment a réagi Madame Maca quand tu as dit que tu allais ouvrir une chaîne YouTube? Ben, comment elle a réagi? Ça s'est fait un peu comme ça en fait, elle n'a pas eu le temps de réagir, je vais dire ça comme ça. J'ai fait ma chaîne et voilà, ça s'est fait, et puis c'est tout, hein, je vais dire ça comme ça. Hein. Alors, au moment où tu as commencé à vraiment t'investir dans les vidéos, montage, financement et temps à consacrer, j'ai commencé à m'investir. Vraiment un mois et demi, 2 mois, plus ou moins 2 mois après avoir vraiment lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à filmer mes vidéos avec la vidéo, enfin avec la caméra avec laquelle je me filme pour faire mes facecams à l'heure actuelle. Donc la qualité n'était pas très bonne et j'avais quand même un nombre d'abonnés, je veux dire correct, une dizaine d'abonnés par jour, 5-6 abonnés par jour, je dirais, on va dire ça comme ça. Et donc ça m'a motivé en fait, malgré la qualité de vidéos pourries, etc. J'avais quand même des likes. Et des encouragements à continuer mes vidéos parce que mon contenu et ma voix, à mon avis, plaisaient aux gens. Donc je me suis dit, ben, ça va, je vais continuer. Et j'ai investi dans un AverMedia. Et voilà. Et pour même pas me cacher, je l'ai payé en 3 fois l'AverMedia. Donc la preuve que j'ai pas trop les moyens, c'est vraiment par pure passion que je fais ça. Donc voilà. Alors une question de Marius Sofuoma. Ok, désolé hein, pour ton pseudo, mais là je vais dire Mariu, c'est bon. Tu te reconnaîtras, Mariu. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Bah, pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie, ça. Il y a eu la motivation d'un seul coup quand j'ai vraiment commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Il y a plus ou moins 8-9 mois d'ici, peut-être 10 mois, j'ai perdu mon travail. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à regarder les vidéos, Squeezie, Cyprien, Gotaga, enfin vraiment tout, Diablo X9, tout ça, tous les gros youtubeurs, les chaînes populaires, etc. J'ai commencé à regarder la Play Comedy Club, etc. Voilà, ça m'a plu quoi. J'ai eu envie de faire tout ce qu'ils faisaient, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte par après que ça faisait, enfin, ça représentait un boulot de malade. Mais j'ai l'envie, j'ai vraiment l'envie. Alors, question de. Mengutu, ouais, Mengutu, on va dire ça comme ça.
Salut, je t'adore. Je t'adore, super délire. Toys le monde, dit plagiat sur toi, non. C'est sur Bison K qui plagie les activités. What the fuck, pas vrai. Bon, vous avez plus ou moins compris. Ouais, à mon avis, je réponds à ta question positivement. J'ai rien à dire de plus dans une vidéo, mais voilà. Alors, une question de mystérie. Pourquoi as-tu choisi le nom Maca? Pourquoi j'ai choisi le nom Maca? Bah, bonne question. Il faudrait demander à Nico ça, parce qu'en fait, c'est Nico qui m'a donné ce nom-là. Et c'est venu comme ça, je ne sais même pas pourquoi. Et c'est resté en fait. C'est depuis l'école que j'ai ça, depuis la troisième secondaire. Donc ça fait vraiment un bail que j'ai ce pseudo-là. Et c'est grâce à Nico que je l'ai gardé. Voilà. Bon ben voilà, je vais lancer Tekken 3. Pour répondre à la question de Bobo, enfin, la question, il me dit on n'entend plus quand tu parles avec le son du jeu. Je me doutais bien, il n'y a pas moyen de régler le son du jeu. Je vous montre directement dans les configurations ici. J'ai Song et le problème c'est qu'il n'y a aucun volume que je peux régler ici ou même dans le jeu, dans les options ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça mon gros problème et le gros souci de ce programme-là parce que c'est avec un logiciel que j'utilise. Enfin, logiciel qui regroupe une partie des jeux sur anciennes consoles et ils ont mis à disposition Live il n'y a pas longtemps. Donc je le teste entre guillemets pour voir si ça fonctionne et apparemment ça fonctionne mais il faut encore faire quelques petits réglages. Le live va se couper juste 30 secondes le temps que je change de jeu. Après je continue et je mets un autre jeu bien sûr. Après je vais mettre Tekken 3. C'est parti! Pour un petit tour! Je vais me faire encore dégager. Ça c'est obligé, Tekken, si tu prends Tekken, tu prends lui, hein. Tu prends tout, c'est obligé. Round 1. Boum, coup de poing, boum, coup de pied, coup de pas, allez, coup de pas, bam, 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 oh, oh, ça sera parfait, allez, là, ça sera parfait, on connaît pas les pouces, voilà, Kero. Round 2, fight!
1. Fight. Voilà, je transfère sur Mario Kart, c'est mieux. Apparemment, ça foire pas. Je sais pas pourquoi, le live il est en bêta en même temps, tu vois. Il faut comprendre, hein. Mario Grand Prix. On va jouer en 150, hein, obligé. Hein. Bon, ben, je vais prendre Toad, hein, j'ai pas trop le choix, hein, vu que c'est. C'est quand même ma mascotte de ma chaîne. Okay. Bon, on va prendre quoi? Bah tiens, on va prendre celle-là. Ok. 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 Ah voilà, j'ai trouvé les touches. Thank you.
tâche webcam. Voilà, là au moins vous m'entendrez correctement. Ce sera mieux comme ça. J'en étais où moi? Voilà, j'en étais à Hugo Anitadiophibi. FAQ, quelle est ta config PC? Alors ma config PC, j'ai 2.4 dual core, une carte graphique HD graphique, un disque dur de 500 Go, 4 Go de RAM, un écran de 15.6 pouces, et je crois que c'est tout de ce que vous avez besoin en fait. Processeur, etc. J'ai un deuxième ordinateur de toute façon, mais de bureau celui-ci, parce que j'ai un ordinateur portable et un de bureau, et c'est une équivalence plus ou moins plus ou moins la même équivalence, je crois. À part le processeur qui est légèrement moins puissant, c'est à 2 GHz dual core sur le PC de maison, ou sinon c'est la même configuration pour les deux ordinateurs quoi. J'ai une GeForce 7600 et des chiclettes, je sais plus vous dire laquelle exactement de carte graphique sur le PC de maison, mais sinon c'est plus ou moins la même. Alors, question suivante. Le live est déconnecté, c'est normal, c'est normal, ça arrive. Ils sont en version bêta, donc c'est normal. Alors, question suivante. Ça c'est Nico. Alors, Nico.
Alors, Nico me dit, raconte comment on s'est connu. Ah, comment on s'est connu? Via l'école, mais le jour exact et exactement comment on s'est connu, je ne saurais même plus te dire en fait. Donc voilà. Alors Nicolas m'envoie mais ça, enfin, me laisse un commentaire sur le live. Oui, j'ai rigolé, tu peux lire ce commentaire dans le live. Je sais qu'il est temps qu'on refasse des vidéos. Laisse-moi me remettre de l'ordre dans ma vie IRL et vous verrez, on refera des vidéos. Un truc de deg. Hashtag désolé d'être absent. Donc voilà, je pense que là, Nico est assez clair dans ce qu'il dit. Et qu'il va revenir, quoi. Il faut juste être un peu patient. Et le trio de choc va revenir, quoi. Quel est l'âge à Nico? Alors ça, c'est une question de Bobo. Ben Nico, je crois qu'il a le même âge que moi, en fait, je suis même pas sûr. Il habite où? Il habite Liège. Est-il en couple? Ben oui, il est en couple. Avec une fille qui s'appelle Morgane. Obitobi, lui, est en couple aussi. Il habite à Verviers, donc en fait, ils habitent vraiment au contraire de moi, quoi. Et lui, il est en couple et il a un enfant. C'est pour ça que il fait moins de vidéos que moi ou même Nicolas, parce que s'occuper d'un enfant, c'est beaucoup de boulot. Qui est vraiment Nico pour toi? Nico pour moi est un super bon ami. Et voilà, je pense que pour lui c'est réciproque. Es-tu proche de lui? Ouais, quand même, je suis quand même assez proche de Nicolas. Il vient passer des soirées à la maison quand même assez régulièrement, des barbecues, boire un verre, etc. Ou même regarder simplement la TV chez moi en fait. Jusque quelle heure le live? Ben jusqu'à ce que j'aie fini de lire toutes les questions. Alors, vous rejouez à des jeux comme Outlast, je veux bien vous voir hurler. Ben tracasse pas. J'avais demandé déjà à Nicolas d'essayer Outlast Whistleblower, mais déjà à la base on avait fait une vidéo et comme par hasard elle a encore foiré. Ne me demandez pas pourquoi, mais mon programme il en fait que des qu'à sa tête. Alors des fois il enregistre pas carrément le son du micro ou alors carrément le son du jeu. Et c'est saoulant alors qu'on avait joué, je crois que c'est bien 4 heures sur Outlast et on avait vraiment bien kiffé. Et en plus de ça, on avait eu peur de notre race, hein, franchement, il n'y avait rien à dire d'autre, quoi. Alors, une question de Carré Rose. Tu arrives à lécher ton coude? Ben, comme tout le monde. Ah, et non, et encore, j'arrive pas à le lécher tout seul comme ça. Là là, qu'il est question des fois, les gars. Alors, une question de Seb10. Tu as des animaux? Si oui, tu peux les montrer en live. Ça va être compliqué. Oui, j'ai des animaux. J'ai un chien et trois chats et deux tortues. Je suis un fan des animaux, donc je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Je vais d'abord vous montrer le chien. Ah, ça c'est mon chien. Ah, ça c'est mon gros chien à moi. Il vient du chenil et il a passé la moitié de sa vie dans le chenil. Il a 10 ans et je l'ai récupéré depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et c'est devenu une brave bête. Il écoute super bien et voilà. Ça c'est mon premier animal. Deux de mes chats. Alors, un petit chaton qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il a 2 mois maintenant. Voilà. Alors, j'ai ce chat-là qui a 2 ans et demi maintenant et qui est handicapé de naissance. Il a une oreille atrophiée et il n'a plus aucun équilibre en tant que chat. Donc, si je le pousse, il va tomber sur le côté et il n'aura plus aucun équilibre en fait.
On l'a récupéré à 4 semaines parce que sa maman l'avait rejeté, quoi, parce qu'à mon avis, il était handicapé. Et depuis, ben voilà. Voilà. Et il y en a un troisième qui est dehors. Lui, c'est complètement tigré. Et là, je ne saurais pas vous le montrer puisqu'il est dehors. Je pense que c'était la dernière question. Ouais, voilà. Ben, c'était la dernière question. Donc voilà, le live va se terminer, hein, parce que ça fait presque 1 heure, je crois même plus d'une heure que je suis là. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, que je joue à certains petits jeux rétro. J'espère quand même faire quelques petits gameplays avec Nicolas. Ce serait quand même cool qu'il soit là et qu'il fasse des vidéos avec moi. Parce que je pense qu'on pourrait quand même vraiment bien se marrer sur ce genre de jeu comme Mario Kart ou même Tekken, etc. Ici, je vais juste jouer encore, à mon avis, ouais, je vais juste jouer encore à un jeu, et puis je m'arrêterai. Par contre, vous m'entendrez plus à mon avis, donc je vais vous dire au revoir maintenant, et je couperai le live une fois que j'aurai arrêté le jeu, quoi. Ça va? Allez, ben moi je vous dis à la prochaine, les gars, et j'espère que tout ça vous aura plu, hein. Ready? Go! You know you can't beat me! You can't beat me! No, you can't beat me! C'est quoi pour des touches, quoi?